C'est un des premiers best-sellers de la littérature. Paul et Virginie, tout le monde connaît. On sait qu'il s'agit d'amour. Mais je ne l'avais jamais lu et je l'ai découvert. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un très, très beau texte. Il fait partie de la littérature classique. Très profond, très moderne, très bien écrit, merveilleux, une écriture très, très belle. Et universel, bien sûr, sur l'amour, mais aussi sur le rapport à la culture, à la nature. C'est aussi un peu un texte écologique de son temps. C'est très beau, m'a beaucoup plu. C'est une traversée du livre, du texte. On ne va pas jusqu'à la fin. Et ça va être découpé avec des morceaux très très beaux de piano que va jouer Eric Hartz, qui est vraiment un très bon pianiste. On a répété l'autre jour, c'était super. Donc, il jouait, on écoutait, on relisait et on choisissait. C'était bien. C'est pas évident parce qu'il ne faut pas ennuyer. En même temps, on ne peut pas jouer un texte, il faut le transmettre, mais en même temps, il faut l'incarner pour réussir à le transmettre dans toute sa force, sa sensibilité, sa drôlerie parfois. Et puis, l'impression de tenir la main à tous les gens qui ont lu ce texte avant. Comprendre pourquoi ça a pu toucher autant quand c'est des textes très classiques, connus, universels. J'adore.